up when I know he's at home. Et salut à tous, c'est Farming du 74. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma maison que je reproduis en virtuel avec Home Design 3D. Donc, cette application, je l'ai hackée. On va tout de suite visiter. Donc, ici, vous avez le parking, là où il y a les deux voitures rangées. La voiture du fond, c'est une voiture que j'aimerais avoir. C'est une sportive américaine. Voilà. Ici, la boîte aux lettres. On va faire le tour du jardin. Donc là, il y a la porte du garage. Les fleurs, la petite allée. Là, un petit espace d'agrandissement de la route. Là, il y a des buis, le tuyau d'arrosage, la fenêtre du garage. Là, normalement, cet arbre, c'est un cerisier. Mais comme il n'y a pas de cerisier, bah, j'étais obligé de mettre ça. Voilà. Un petit sapin. Le potager. Là, il y a le salon. Mais on va pas y aller tout de suite. Oh purée. Les taupes, elles ont encore fait des trous. Oh là là. Et voici le jardin avec une chaise à allonger. Là, le jardin entier. On va visiter la terrasse. Là, on a déjà vu. Ah oui. Là, un petit coin ici pour lire. Sauf qu'il y a la route à côté, c'est pas pratique. Donc voilà. La porte d'entrée. Alors, la terrasse. C'est tout simple à faire, hein. Là, les chaises, la table, le parasol, et puis voilà, hein. Donc, on va aller visiter l'intérieur. On commence par la cuisine. Là, il y a une vitrine. Là, un meuble de rangement. Il y en a encore un ici. Et là-bas, c'est la table. Et là-bas, il y a tout ce qui est four, plaque de cuisson, rangement, etc. On va aller voir un peu plus près. Ici, il y a une autre table. Là, voilà. Un tableau avec une craie pour écrire. Le thermostat du sol chauffant. Un interrupteur. Ici, c'est l'entrée avec le tapis. Le porte-clé. Là, la porte des toilettes. Et ici, des meubles de rangement. Donc, les toilettes, ils sont petits. Voilà, comme ça. Alors, le salon est là. La télé est ici. Ah, j'ai oublié de mettre les tableaux au-dessus de la télé. Il y a plein de trucs que j'oublie quand j'y retourne dans cette maison virtuelle. Alors, une plante, des meubles de rangement et des tableaux. Normalement, les poufs, là, ils sont carrés. Voilà, on va aller ici dans la salle de bain. Voilà. Le sèche-serviette est là. Et la douche est là. Donc, il y a quoi d'autre? L'accès au garage. Ah, voilà, on va aller au garage. Donc ici, c'est là où on range la nourriture. Il y a le lave-linge et le chauffe-eau. Après, ici, il y a la planche à repasser. Et là-bas, il y a le garage. Et il y a le chat ici. Des range-bouteilles, des meubles de rangement, encore un frigo et un évier pour bricoler.
Voilà, les poubelles. Et que des meubles de rangement. Sauf il y a une table pour là où on met les Lego normalement. Voici la table. La chambre à ma soeur. Là, son coffre à jouets. Son bureau ancien. Le lit du petit frère et le lit de ma soeur. Donc, la chambre à ma mère. Là. Cette fois-ci, c'est une visite rapide. Parce que j'aime pas parler trop longtemps. Voilà. Et ici, c'est la chambre de mon frère et moi. Donc là, il y a le bureau pour faire les devoirs, etc. Mon frère est là. Là, on range les habits. La prise ADSL et compagnie. Le setup de mon frère avec sa PS4 pour qu'il fasse des vidéos. Et le lit superposé. Voilà. Et j'ai rajouté quelques tableaux. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'en ferai une autre sur cette vidéo spéciale remix Music Maker Jam qu'on fait depuis Google Play. Donc voilà. Et si vous voulez avoir cette maison, bah, je vous mettrai le lien en description. C'est un mod à télécharger. Comme ça, tout sera expliqué pour télécharger aussi l'application et tout sera fait en description. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.